Aujourd'hui, nous sommes sur le hackathon Orange et Nokia qui vise finalement à explorer des cas d'utilisation sur les telco API. Les développeurs ont un rôle absolument majeur. Les API est la matière première que consomment les développeurs. Il y a plusieurs clés du succès très importantes pour interagir avec les développeurs. Déjà, très bien présenter nos API. Il faut les rendre simples, compréhensibles, bien documentées. Le type de service et donc d'API dont on est en train de parler, c'est de la qualité à la demande, ça va être de la géolocalisation. Donc on travaille sur une application qui va envoyer des notifications à un utilisateur qui se déplacerait dans une ville. Et donc il va recevoir des notifications en fonction de ce qu'il y a autour de lui. Donc ça peut être des promotions dans des restaurants, un musée pas loin. For this hackathon, we are implementing a Microsoft Teams plugin where we are measuring the network quality. Yeah, so our motivation for joining this hackathon was to get early access to some of these network APIs like quality on demand and congestion and connectivity inside. Ce hackathon va permettre à Orange et Nokia d'informer la communauté de développeurs, les entreprises et les partenaires que les API réseaux sont une réalité chez Orange et chez Nokia. Developers are looking for fast access, easy access, and great resources. And I think Orange is definitely in a position to be able to deliver on all of those. So if we can do that, we'll definitely increase the perception inside of the developer ecosystem for the better. Donc cette expérience m'a appris énormément de choses au niveau technique et également de mettre un premier pied dans le monde professionnel et de voir un peu découvrir le monde d'Orange. What surprised me most was how quickly the teams grasped the usefulness of the network APIs that we are exposing and the ideas that came up with. On a des développeurs tout autour de la planète et c'est à nous, Orange, finalement, de pouvoir faire grandir les API et donc les services que nous sommes capables d'exposer pour eux. On espère que cette relation va continuer. Elle va continuer en fait parce que nous, on va faire évoluer nos API. Ils nous ont donné des bonnes idées, des cas d'usage, et on va continuer en fait d'entretenir ce réseau, cet écosystème.